Bonsoir. Je ne suis pas Régis Penalva. Je suis Nathalie Garraud, co-directrice du Théâtre des 13 Vents, Centre dramatique national de Montpellier. Et Régis étant empêché ce soir d'être parmi nous, c'est moi qui vais improviser une introduction et essayer tant bien que mal de le remplacer. Mais bon. Donc, une petite introduction sur le cadre dans lequel cette rencontre se situe. Bien sûr, dans le cadre de l'Agora des Savoirs, et nous remercions l'équipe de l'Agora et Régis Penalva d'avoir bien voulu nous accueillir ce soir. Elle se place aussi dans le cadre de la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée, qui a commencé à Montpellier il y a une semaine exactement à l'Opéra Comédie, et dont je vais vous parler brièvement, mais un petit peu quand même. La Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée, c'est un projet collectif qui a été initié par le Théâtre des 13 Vents et qui est construit, co-construit, dans une coopération avec 15 lieux, structures culturelles de Montpellier et des alentours de Montpellier, puisqu'on va jusqu'à 7. Donc parmi ces lieux que vous connaissez et que vous fréquentez, j'en suis sûre, il y a le Centre chorégraphique national de Montpellier, il y a le Théâtre La Vignette à l'Université Paul Valéry. Et là, je vais avoir un trou, évidemment, parce qu'il faut que je donne la liste des 15. Il y a la Téline, qui est une scène conventionnée pour les écritures en espace public. Il y a le Théâtre des 13 Vents. Il y a le Théâtre Molière, la scène nationale de 7. Il y a le Domaine d'eau. Il y a le Hangar Théâtre et l'École nationale supérieure des arts dramatiques de Montpellier. Aidez-moi, les camarades. Le Théâtre Jean Villard, bien sûr, à Montpellier. La Bulle Bleue. Qui est un lieu de création et aussi une compagnie d'artistes en situation de handicap. La Baignoire, le lieu des écritures contemporaines à Montpellier. La Vignette, je l'ai déjà dit, mais on peut le redire. La Vignette, scène conventionnée à l'Université Paul Valéry à Montpellier. L'Opéra Comédie, absolument. Et nous travaillons aussi avec la Verrerie, le pôle cirque d'Alès, et avec le Chiasma, et avec le Chais du Terral, tout un ensemble de partenaires qui ont co-construit cette deuxième édition de la Biennale. Ce n'est que la deuxième édition. Nous avons initié ce projet en arrivant à la direction des 13 Vents avec Olivier Saccomano, qui est ici aussi, il y a 5 ans. Et prend place au cœur de cette biennale, indépendamment de l'ensemble des spectacles que vous pouvez voir, qui sont tous créés et produits par des artistes vivant et travaillant dans le bassin méditerranéen. Au cœur de cette biennale, il y a une semaine dans laquelle nous sommes, au cours de laquelle des artistes viennent, qu'ils présentent ou non un spectacle de toutes les rives de la Méditerranée, pour se rencontrer, travailler un certain nombre de problématiques, faire des ateliers, participer à des discussions ou à des rencontres avec le public. Et donc on est au cœur de cette semaine de rencontres qui sont aussi des rencontres professionnelles et qu'il est très important de maintenir, puisqu'on a un enjeu majeur, et je pense que Giovanna va en parler, on a un enjeu majeur à faire, que dans ce moment historique et politique de fractures profondes, de replis identitaires et nationalistes, les artistes, les individus puissent continuer à circuler, mais aussi les œuvres d'art et les savoirs. Voilà, donc la Biennale, c'est une sorte de festival dans lequel on peut voir un grand nombre d'œuvres produites autour du bassin méditerranéen, mais c'est aussi un espace, cet après-midi quelqu'un a dit de refuge, mais c'est aussi un espace dans lequel, dans nos lieux, nous faisons hospitalité à des artistes qui travaillent dans d'autres contextes, qui travaillent dans d'autres conditions que les nôtres. Voilà. Et on estime collectivement, avec ces 15 structures, qu'on a un devoir d'hospitalité et un devoir de solidarité à l'égard des autres artistes et aussi des chercheurs, comme Giovanna est là ce soir, mais il y a d'autres chercheurs et chercheuses qui accompagnent ces rencontres et qui nous aident à penser et à travailler les problèmes, les questions qui traversent non seulement nos pratiques en tant qu'artistes et en tant que chercheurs, mais qui traversent aussi le territoire géographique, politique, historique et imaginaire qu'est le bassin méditerranéen. Voilà. Donc,
L'année dernière, nous avons fait une édition à l'invitation d'une chorégraphe qui s'appelle Myriam Jazouli. Nous avons fait une édition de ces rencontres, comme ça n'était pas une année de biennale, à Casablanca. Une dérive casablancaise de ces rencontres. Et Giovanna Tanzarella était invitée à donner la conférence inaugurale à Casablanca. Et en fait, ça nous a tellement intéressé ce qu'elle a raconté à ce moment-là, qu'on a dit l'année prochaine, quand les rencontres auront lieu à Montpellier, on invitera Giovanna à partager ses réflexions ici à Montpellier dans le cadre des rencontres. Donc c'est ce qui va se passer ce soir. Maintenant, c'est le moment où je dois t'introduire un peu formellement, et donc je vais regarder mon papier. Donc Giovanna Tanzarella est historienne de formation, actrice de la société civile indépendante entre l'Europe et le monde arabe, et chercheuse et membre du bureau de l'IREMO. Et l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Voilà pour l'introduction. Donc, on va te laisser la parole, exactement. Eh bien, c'est un peu impressionnant de voir cette salle remplie de Montpelliéraines et Montpelliérains, et d'autres certainement d'ailleurs, et je suis presque un peu émue de vous parler à vous tous et toutes. Ce que je vais vous raconter, c'est un peu l'expérience de ma vie professionnelle depuis 30 ans. J'ai beaucoup bourlingué en Méditerranée, à droite et à gauche. Je suis moi-même italienne et française, donc déjà là, il y a une petite complexité sympathique. Et donc, je suis vraiment enchantée de vous avoir tous ici, et je remercie beaucoup, beaucoup la Biennale de m'avoir invitée, parce qu'il y a plein de beaux spectacles à voir, et je vous invite à ne pas les rater. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée est un lieu... Pardon, mais il fait un peu chaud. La Biennale est un lieu singulier et assez rare de partage de la création contemporaine venant de différents endroits de la Méditerranée, mais aussi c'est une opportunité de réflexion et d'échange. Ce soir est un exemple. Et d'échanges, pas comme ça dans l'air, mais sur, ils sont jamais éludés les enjeux actuels à la fois sur des arts et des artistes, mais aussi dans les sociétés dans leur ensemble, et les répercussions de l'actualité que nous connaissons tous et toutes aujourd'hui au Proche-Orient. Bon, je vais commencer d'abord par vous dire de quelle Méditerranée parlons-nous ? Quelques éléments comme ça pour se mettre en tête, parce que chacun d'entre nous a une idée différente de la Méditerranée, mais toutes ces images ensemble forment bien la Méditerranée. Pour répondre à cette question, il faut en général plonger dans l'histoire longue de ce lac complexe, mais aussi de sa géographie un peu singulière, cette mer qui est fermée avec plein d'îles et tout ça. Le sujet est vaste et je vais évidemment me limiter à quelques considérations avant d'aborder des éléments plus politiques d'un côté et puis en final sur les questions culturelles et de politique culturelle entre les rives de la Méditerranée. Alors il faut savoir d'abord que la Méditerranée n'a pas toujours existé. Ça peut paraître un paradoxe, mais effectivement la Méditerranée est un territoire aux limites incertaines, une mer entourée de terres qui se décline en plusieurs mers, un continent liquide, a-t-on dit, mais aussi un espace sans nom d'abord et qui a mis longtemps à devenir un nom propre, la Méditerranée. En France, ce nom apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est là qu'apparaît le mot Méditerranée. En France, ce nom apparaît pour ça, et à cette époque, à l'époque dont on parle, la Méditerranée porte déjà en soi les marques d'héritage
ancien et nombreux. C'est un monde médian qui est traversé par des routes maritimes entre trois continents. Donc c'est très singulier, la Méditerranée, dans sa morphologie. Pendant des centaines d'années, cette mer entre l'Orient et l'Occident a été un espace clos où les empires se sont livrés bataille, où des flottes militaires ennemies se sont affrontées. En parallèle à cette menace permanente des conflits, la Méditerranée devient, au fil du temps, un marché, un forum, une arène, où les peuples riverains échangent et communiquent, à tel point qu'un économiste et homme politique français qui s'appelle Michel Chevalier, au milieu du 19e siècle, dira que la Méditerranée va devenir le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident. Cette vision idéale ne doit pas faire oublier que Bonaparte, déjà au début du XIXe siècle, avait inauguré l'idée de mission civilisatrice dans une perspective clairement coloniale, qui a inspiré après l'expédition napoléonienne en Égypte, et ensuite la vision stratégique française qui entendait exporter en Méditerranée la civilisation et le progrès, ce qui est le grand thème du colonialisme européen. D'ailleurs, la France a longtemps aspiré à faire de la Méditerranée un lac français, jusqu'à l'époque des colonisations. Or, à peu près à la même époque, un géographe du XIXe siècle, Élisée Reclus, renverse un peu le regard et écrit, je cite, « Sans cette mer de jonction entre les trois masses continentales de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, entre les Aryens, les Sémites et les Berbères, sans ce grand agent médiateur, la mer, qui modère les climats de toutes les contrées riveraines et en facilite ainsi l'accès, qui porte les embarcations et distribue les richesses, qui met les peuples en rapport les uns avec les autres, nous tous Européens, sans cette mer-là, nous serions restés dans la barbarie primitive. » Donc la Méditerranée est dans la bouche, dans la plume d'Élisée Reclus, un élément de civilisation de notre zone. Puis, au début du XXe siècle, le fascisme italien au pouvoir s'est approprié de l'idée de Méditerranée pour ressusciter une vision latine de la Méditerranée, la vision du Méditerranée soumise aux Romains dans l'Antiquité. Mais on peut affirmer avec Gabriel Odizio que Rome est peut-être ce que la Méditerranée a produit de moins méditerranéen. C'est paradoxal, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, la pensée de la Méditerranée est devenue moins univoque. Au contraire, elle est valorisée par sa dimension plurielle. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire que la Méditerranée n'est pas une identité. Elle est plutôt un sentiment d'appartenance qui nous vient des mêmes paysages, des mêmes nourritures, des mêmes affinités, des mêmes aspirations entre les deux rives. En effet, en Méditerranée, ce qui unit la rive nord-ouest de la Méditerranée et la rive sud-est est pour l'essentiel un fond anthropologique qui s'exprime par des modes de vie semblables. Où que l'on soit, il y a quelque chose de commun dans les modes de vie en Méditerranée. Croire que l'on n'est qu'une identité, c'est une sorte d'assignation à résidence. C'est croire que nous sommes que notre ethnie, notre religion, notre héritage. La simplification de nos identités nous amène très vite à voir dans l'autre un adversaire, alors qu'il faudrait toujours se souvenir de ce que l'on doit aux autres. Aujourd'hui, nombreux sont ceux tentés de nous enfermer dans une identité, dans notre maison.
Or, la vie consiste à devenir autre chose que sa naissance, que sa propre naissance. En ce sens, la Méditerranée, qui est un espace pluriel et en même temps de proximité, devrait nous pousser à sortir de notre maison et à visiter la maison des autres. Mais cela devient de plus en plus difficile en raison de la fermeture des frontières. J'y reviendrai après. Plus précisément, la Méditerranée est de plus en plus une frontière, pour ne pas dire un cordon sanitaire, face à une Europe fermée. La politique actuelle des visas, qui est une punition collective, on peut dire ça, constitue une atteinte à un droit humain essentiel qui est la libre circulation des personnes. Et d'une certaine manière, cette politique restrictive de la mobilité est une sorte de trahison de l'idée même de Méditerranée. Aujourd'hui, nous traversons trois crises majeures dans notre espace géographique. Et là, c'est que des mauvaises nouvelles. La première, c'est la crise de la démocratie en Europe. C'est important parce que ça a un poids important sur les populations qui bordent la Méditerranée. L'arrivée au pouvoir des extrêmes droites dans de nombreux pays européens date de 2000. Au nord de l'Europe, l'extrême droite a gagné incroyablement du terrain. Ces partis sont devenus des partis différents des années 30, mais leurs piliers idéologiques restent les mêmes. Le nativisme, c'est-à-dire la crainte de l'immigration, l'autoritarisme, le populisme. Les pays qui sont concernés par cette crise de la démocratie et par l'arrivée au pouvoir des extrêmes droites sont nombreux. Il y a l'Autriche, il y a la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, même la Suède, qui est un pays extrêmement civilisé, est désormais gouverné par un parti nationaliste, populiste, national conservateur, anti-immigration, eurosceptique et d'extrême droite. Et pourtant, il s'appelle « Démocrate de Suède ». Et ils ont gagné les élections de manière assez remarquable l'année dernière. Mais il y a aussi l'Italie, qui m'est évidemment très chère, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez certainement, l'Italie, avec son gouvernement et ses institutions, est entre les mains d'un parti fasciste, qui s'appelle Fratelli d'Italia. Le parti de Giorgia Meloni, qui est l'actuel chef du gouvernement, lui aussi... Et un parti dans un pays qui on ne pouvait pas imaginer. Il y a eu déjà Mussolini, donc c'est un pays qui a connu déjà ça, mais que ça arrive aujourd'hui, ça c'est vraiment assez remarquable. Ce parti a été créé en 2012. Il a gagné aux dernières élections de manière assez large avec une coalition très spéciale. Et sur le plan international, ce parti qui gouverne l'Italie maintenant est proche du programme de Trump. Il est atlantiste, pro-israélien. Et sur le plan de la société, il est homophobe, xénophobe, islamophobe. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas dans quelle mesure on est conscient en France de cette vague... De l'extrême droite en Europe. Selon les partis d'extrême droite n'ont pas la même histoire, mais ils ont quand même des thèmes idéologiques communs. Qu'il s'agisse de partis néo-fascistes, c'est-à-dire qui naissent à partir du fascisme de nouveau, sont eux aussi ultranationalistes, anti-américains, antisémites et critiques du système démocratique. Mais il y a aussi des partis, comme celui de Meloni, qui se définit comme post-fasciste. Et ils sont atlantistes sur le plan géopolitique, pro-israélien et islamophobe.
Dans les deux cas, post-fascisme, néo-fascisme, ce qui est central est la question raciale, migratoire, la question, la crainte du remplacement ethnique. À cela s'ajoute une mystique de la violence qui vise les citoyens noirs et les citoyens musulmans. L'objectif des partis post-fascistes et néo-fascistes, qui maintenant gagnent un peu partout, est la remise en cause des libertés publiques et des contre-pouvoirs. Et ils cherchent à créer des régimes politiques fondés sur un pouvoir fort, un État sécuritaire, nationaliste et réactionnaire. Mais ces partis, et c'est un paradoxe, continuent à jouer le jeu de la démocratie puisqu'ils participent aux élections. Quant aux élections, paradoxalement, c'est chez les perdants de la globalisation, c'est-à-dire les classes populaires les plus pauvres de nos pays, que ces partis remportent les plus grands suffrages. Il y a trois facteurs qui expliquent ce phénomène qui est inquiétant, puisque c'est très large en Europe. Le premier facteur de cette émergence de l'extrême droite, je l'ai appelé le doute identitaire. C'est-à-dire que face aux prétendues menaces venant de l'islam, des réfugiés, des migrants, des minorités de genre, la culture dite de souche des sociétés européennes se sent menacée. C'est ça le doute identitaire. Le deuxième aspect, élément d'explication, est la perte de confiance dans la représentation politique, puisque les électeurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des forces politiques traditionnelles, des institutions, et plus généralement de ce qu'on appelle le système. Les mouvements et les partis d'extrême droite prétendent défendre les valeurs occidentales et ils se considèrent comme des résistants. Et enfin, le troisième facteur explicatif de cette vague inquiétante, c'est la chute électorale des partis démocratiques, de la gauche, etc. La principale des conséquences de la crise de la démocratie en Europe est cependant l'abstention d'une grande partie du corps électoral européen, surtout de la part des 18-25 ans, qui marque un total désintérêt pour les élections. Les conséquences directes de la crise de la démocratie en Europe, on assiste évidemment donc les conséquences ont un impact énorme dans la vie de toutes les sociétés de la zone. Mais ce qui est vraiment extrêmement inquiétant, c'est que la société civile est écrasée, les partis politiques d'opposition sont contrôlés, l'indépendance de la justice, de l'université, des médias est menacée. L'autre aspect du risque de cet événement, c'est le rétrécissement de l'espace d'action de la société civile. C'est-à-dire que l'ensemble méditerranéen, de facto, se retrouve avec des organisations, des associations du monde associatif et culturel qui n'arrivent plus à travailler normalement. La diminution des moyens légaux d'action à travers de nouvelles lois, en contradiction avec les instruments internationaux des droits de l'homme, se traduit dans certains cas par une répression très violente des personnes et des organisations non gouvernementales dont on empêche l'expression, dont on ferme les locaux, etc. Or, parallèlement, l'engagement citoyen, surtout des jeunes générations, persiste. Et le deuxième aspect qui est aussi très important et qui est très inquiétant maintenant, c'est les obstacles à la mobilité des personnes, comme les refus de visa, qui a un impact direct d'ailleurs sur le monde artistique et culturel. Il faut savoir que la libre circulation des personnes est l'un des droits humains inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais aussi concernant la vie culturelle,
c'est indiqué dans la Déclaration des droits culturels adoptée à Fribourg en 2007. Considérant la longue histoire des échanges et la tradition d'hospitalité qui caractérise la région méditerranéenne, la liberté de circulation des artistes et des œuvres dans le secteur culturel et artistique est très importante et nécessaire, puisque le secteur culturel et artistique est une des composantes essentielles de la démocratie et du développement des sociétés. Mais je vais vous parler aussi d'une deuxième crise qui impacte énormément la Méditerranée et notre zone. C'est la crise climatique et surtout avec ses conséquences géopolitiques. Le changement climatique est désormais une réalité concrète avec ses impacts concrets. Dans le dernier rapport du GIEC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le GIEC, c'est un groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui font très attention et sortent chaque année un rapport qui permet de savoir où nous en sommes de la réalité du climat. Le rapport du GIEC consacre donc un volet à la Méditerranée cette année, qui n'avait jamais été traité auparavant. Et le rapport prévoit des vagues de chaleur en augmentation, l'augmentation effectivement des températures qui ont des conséquences, parce qu'il s'agit de la dégradation des écosystèmes, le déficit hydrique, les sécheresses, l'élévation du niveau de la mer, les pluies. Les zones côtières, au nord comme au sud, sont fortement impactées par la montée des eaux. Vous savez, le réchauffement de la mer fait que la mer monte. Et ça a conduit à des pertes considérables de zones cultivables. Au Maghreb, et dans une moindre mesure au Proche-Orient, l'accès aux ressources d'eau est déjà maintenant très problématique et constitue un risque de conflit majeur qui feront courir à la sécurité et à la stabilité internationale. Depuis quelques années, le GIEC a mis en évidence la corrélation entre dérèglement climatique et l'aggravation des conflits en Méditerranée. Surtout les pays les plus fragiles, mais aussi l'augmentation des conflits interétatiques en relation avec la concurrence des ressources, en particulier l'eau. Cependant, le dérèglement climatique n'est pas la cause première des guerres ou des violences ou des conflits. Le dérèglement climatique est plutôt un multiplicateur des menaces en termes d'instabilité politique, puisqu'il accroît indirectement les risques de conflits internes à chaque pays et entre les pays de la zone méditerranéenne. Depuis les années 2000, on a constaté la survenance de catastrophes naturelles nombreuses, la vulnérabilité des pays côtiers, et surtout des villes côtières, qui ont été au départ des soulèvements politiques. Autre constat, la montée des eaux et les catastrophes qui en découlent pourraient produire d'importants déplacements de population, ce qui est déjà le cas maintenant. Pour conclure sur ce thème-là, les effets déstabilisateurs de la dégradation du climat se manifestent à l'échelle locale bien plus que dans les relations interétatiques et concernent les pays les moins développés, avec un risque accru de précarisation des populations dans un contexte de diminution généralisée de l'aide au développement. Comme vous le savez peut-être, diminue au fur et à mesure que grandissent les besoins. Enfin, la troisième crise, je vais être rapide là-dessus, parce qu'on est tous très sensibles à ça, c'est la crise en Palestine. Et ça aussi, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec tout ce que j'ai dit avant. C'est un peu déprimant ce que je vous dis, mais c'est un peu la réalité sur laquelle il faut ne pas fermer les yeux. La situation actuelle en Méditerranée est marquée donc par le retour de la guerre dans notre monde méditerranéen et par la centralité retrouvée de la question palestinienne qui avait quitté complètement depuis quelques années l'actualité internationale. Cette marginalisation s'est faite en plusieurs étapes.
Mais il faut imaginer que les derniers pourparlers sérieux sur cette question palestinienne datent de 2014, sous la présidence de Barack Obama, où ils avaient tenté en vain d'enclencher des négociations entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou. Quant au Conseil de sécurité, lui aussi, sa dernière initiative sur la crise climatique, sur la crise de Palestine, a fait adopter à l'unanimité une résolution dans laquelle il imaginait la possibilité d'avoir deux États démocratiques, Israël et Palestine, vivant côte à côte. Mais la perspective de la paix entre les États arabes et Israël, qui à un moment donné a eu une petite lueur de lumière avec ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, où on faisait rétablir, normaliser les relations entre Israël et beaucoup de pays arabes. Mais hélas, ces accords d'Abraham n'ont pas porté leurs fruits. Face donc à cette brutale et rapide dégradation de leur position internationale, les Palestiniens ont été incapables de réagir parce que le Hamas et l'autorité palestinienne n'ont pas cessé de se combattre. Le Hamas s'est enfermé dans une gouvernance autoritaire à Gaza et l'autorité palestinienne s'est enfoncée dans une coopération stérile sécuritaire avec Israël. Et aujourd'hui, toujours, les Palestiniens sont dans l'impasse. Et en visant de manière délibérée les civils, l'attaque du Hamas du 7 octobre constitue bien évidemment un crime contre l'humanité. Mais rien n'autorise Israël d'en commettre à son tour. L'urgence absolue est donc un cessez-le-feu immédiat, mais qui n'a pas l'air de venir. Au Proche-Orient comme ailleurs, il ne peut y avoir de paix sans justice. Et ça impacte aussi énormément, non seulement nos consciences de citoyens chacun, mais aussi les relations entre les pays de la Méditerranée. Et la culture dans tout ça. Quel serait, dans ce contexte extrêmement dur qu'on vit et qui n'a pas l'air de s'arrêter rapidement, quelles seraient quelques priorités qui permettraient de contrer les crises dont je viens de parler? La culture occupait autrefois une place significative dans l'action diplomatique de tous nos pays. Mais seulement maintenant, il est devenu un dossier mineur. Les institutions publiques, nationales et internationales, connaissent des budgets dédiés à l'art et à la culture en diminution, en contraction. Un rétrécissement de la vision à long terme est là. Et un repli de toute ambition collective, ce qui a durablement relégué la culture à la place du parent pauvre des relations internationales. Cet espace d'interdépendance qu'est la Méditerranée réclame des réponses communes face à l'urgence de bâtir des relations nouvelles, humaines et culturelles entre les sociétés du Nord et du Sud. En fait, le monde méditerranéen est devenu une portion du monde global, où se répercutent les crises et les problèmes du monde global. C'est-à-dire un monde qui, par l'effet d'une circulation inédite de l'information et de la connaissance, partage des indignations d'un pays à l'autre, autant que des rêves, des curiosités, des goûts. On a des désirs communs, des colères aussi communs et des imaginaires communs. Ce phénomène d'un monde connecté met en lien direct les habitants de Mossoul et ceux de Londres, les jeunes de Bruxelles et ceux d'Abidjan, l'étudiant de Rome et celui de Casablanca. Mais bien entendu, la circulation mondialisée de l'information et aussi des expressions culturelles et artistiques a aussi une autre face, puisqu'elle peut rendre possible la connaissance partagée, l'accès à des formes artistiques autrement inaccessibles, et peut même susciter l'engagement civil des citoyens, et spécialement des jeunes.
Alors, quels seraient les trois points que je vous propose à mettre en avant dans le contexte actuel? L'art et la culture, qui sont le cœur vibrant de chaque société et constituent potentiellement des liens forts pour l'arrimage des sociétés euro-méditerranéennes entre elles, entre les deux rives. Mais quelles seraient ces priorités pour ces échanges fondés sur la culture et les arts entre les rives? Parmi les différentes options possibles pour réorienter un partenariat culturel entre nos pays, je vous propose très rapidement quatre priorités pour bâtir des liens solides entre les rives de la Méditerranée. La première, c'est de valoriser la création contemporaine. Dans les années 90, la politique culturelle de l'Europe en Méditerranée était dédiée prioritairement à la coopération entre professionnels du patrimoine historique, avec un rôle majeur dédié au ministère de la Culture de tous les pays. Cependant, ce choix de politique culturelle avait été fait au détriment du secteur de la création contemporaine, du spectacle vivant, théâtre, musique, danse, des écritures contemporaines et des activités créatives en général, qui recèlent un fort potentiel d'innovation, d'invention, d'inclusion sociale et qui sont souvent portés par de jeunes artistes très attentifs aux pratiques sociales et éducatives. Donc la première priorité d'une action culturelle rénovée en Méditerranée devrait remettre au centre les créateurs. Deuxième priorité, c'est le rôle entre les relations, la complicité entre les artistes et les habitants des villes et des villages des deux rives. En effet, aujourd'hui, de plus en plus de projets artistiques investissent le tissu urbain, les places, les jardins. En matière de culture entre les deux rives, il faudrait privilégier le faire ensemble. Faire ensemble, ça veut dire les coproductions, les traductions, afin de contribuer à la circulation des arts et des idées dans les villes. Troisième point, défendre l'indépendance des acteurs du secteur culturel. Parce que vous comprenez bien qu'avec des gouvernements de plus en plus fermés et antidémocratiques, l'indépendance des acteurs culturels est en danger, c'est évident. La coopération culturelle n'est plus l'apanage exclusif des États et des pouvoirs publics. De nouveaux acteurs sont apparus sur la scène culturelle, des acteurs multiples, non étatiques, décentrés et extrêmement connectés. Il s'agit en fait, depuis quelques années, de l'émergence d'un secteur culturel artistique indépendant, en Europe comme dans les pays du sud méditerranéen. Dans tous nos pays, contre vents et marées, des lieux indépendants sont nés qui favorisent les expériences artistiques en lien étroit avec les populations des quartiers où ils sont implantés et qui fonctionnent comme des incubateurs de projets culturels et artistiques innovants. En dehors des cadres classiques, ces artistes inventent de nouvelles esthétiques, de nouveaux langages, on les a appelés autrefois de nouveaux territoires de l'art, qui nous ouvrent à de nouvelles formes de pensée et de sensibilité absolument indispensables à la compréhension du monde. Et pour finir, la quatrième priorité, j'en ai déjà un peu parlé, faciliter la mobilité des artistes. Les révolutions arabes ont eu comme effet collatéral une curiosité inédite pour les arts visuels arabes. Il est néanmoins nécessaire de remarquer que si les œuvres des artistes arabes ont bénéficié d'une circulation croissante ces derniers temps, les artistes eux-mêmes se heurtent de plus en plus à des obstacles majeurs à leur mobilité. Si dans nos sociétés euro-méditerranéennes, la mobilité des personnes est inscrite dans nos mémoires, elle a façonné notre histoire.
Aujourd'hui, demander un visa auprès des autorités consulaires françaises ou européennes pour l'un des pays du Maghreb ou venant de l'un des pays du Maghreb est un véritable parcours du combattant et le plus souvent une humiliation supplémentaire pour l'immense majorité de celles et de ceux qui en font la démarche. La circulation des personnes est un bien précieux, mais un bien menacé. La mobilité des artistes n'est pas un problème à part. Il est lié au grand défi posé à nos sociétés, celui du respect des droits humains. De plus, au cœur de la mobilité culturelle, il y a un enjeu majeur. La disparité des conditions de circulation renforce l'asymétrie entre la rive nord et la rive sud. Sur le versant culturel, les obstacles au déplacement des Méditerranéens renforcent l'ignorance réciproque et le sentiment de domination de la part d'une Europe hostile, de plus en plus hostile et indifférente, de plus en plus indifférente. Mais au-delà de ces considérations, la mobilité des acteurs culturels a sa propre spécificité. Elle est une nécessité dans le parcours de formation, comme dans les processus individuels et collectifs de création. Plus encore, la mobilité est vitale pour la structuration de l'écosystème professionnel approprié au secteur des arts de la scène. Pour toutes ces raisons, l'aide à la mobilité des personnes doit être au centre de toute action publique en direction de la Méditerranée. La politique restrictive des visas n'est pas une fatalité en Méditerranée, elle est même contre-productive. Une approche favorisant la fluidité des circulations, les allées et venues, est la seule réponse réaliste au blocage actuel. Les liens entre les deux rives en sortiraient renforcés. Voilà. Merci Giovanna. C'est pas très joyeux ce que tu as raconté. Tu voulais que l'intervention soit courte et qu'il puisse y avoir aussi un dialogue avec les spectateurs. Donc on va laisser, je ne suis là que pour introduire la conversation avec les spectateurs qui souhaitent réagir ou poser des questions. Je serai rapide. Merci pour votre conférence. Bon, ceci dit, vous avez parlé des élections dans les pays, enfin les partis politiques dans les émergents, dans les pays européens, mais vous n'avez pas parlé des élections et des partis politiques dans les pays maghrébins qui bordent la Méditerranée. Est-ce un oubli ou est-ce volontaire ? Ce n'est pas du tout un oubli, c'est que j'ai parlé d'un phénomène qui est récent, récentissime. Les pouvoirs autoritaires dans les pays du Sud, ça date de beaucoup d'années, de décennies. J'ai voulu mettre en avant des crises qui viennent depuis peu de temps à changer un peu le paysage de notre géographie à nous, qui est l'Europe et la Méditerranée. Mais donc, je n'ai pas du tout. J'ai voulu parler de crises qui sont nouvelles. On est bien conscient que la crise de la démocratie dans les pays du Sud, au Maghreb et au Machrek, c'est depuis longtemps. Donc, je n'ai pas. Mais vous avez raison, j'aurais dû peut-être faire un volet sur ça. Je conçois que c'est une lacune. Mais c'était parce que j'ai parlé de choses qui sont d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est pas une nouveauté. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si ça vous satisfait ma réponse, mais c'est comme ça. Merci pour ce que vous avez fait. Enfin, bref. Non, parce que j'ai une question, mais je ne sais pas si elle est intéressante. Parce que vous avez parlé
du nom de la Méditerranée, qui est récent, 18e, pour les Européens. Mais les peuples qui sont autour, comme les Arabes, les Iraniens, qui sont là depuis 5000 ans, etc., ils nommaient pas la Méditerranée, ils n'avaient pas de nom pour la Méditerranée. De nom ? Ah non, ça, c'est pas le Mérostrom, ah non. Ah non. C'est le romain, ça. En arabe, c'est la mer blanche. Oui, moyenne. Oui. La mer blanche moyenne. Moyenne, oui. Bon, alors pourquoi vous... Donc, il y avait des noms qui existaient avant. J'ai fait un topo 13, européocentré. C'est évident. D'accord. Non, oui. Non mais oui. Oui, parce que là, vous avez raison. À vous entendre, on a l'impression que ça n'existait pas, le nom de un nom. Enfin, la mer n'était pas appelée. Si, si, si. Si, elle... donc, voilà. Ouais. Bahar al-Abyad al-Mutawassit. Bahar al-Abyad al-Mutawassit. Et autre chose, mais bon, c'est pas intéressant, je pense non plus. On sait que la Méditerranée, depuis la nuit des temps, il y avait des guerres. Des envahisseurs, soit de l'Est ou de l'Ouest, ou l'Afrique, bon, les Arabes, les Turcs, les Européens, etc. Et ça se terminait tout le temps par des solutions qui durent dans le temps, etc. Je reviens au problème palestinien, israélo-palestinien. Si l'Europe, il n'y avait pas une intervention extérieur, comme les Américains, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait facilement trouvé une solution ? Entre Européens, on arrive à trouver des solutions. Oui, oui, bien sûr, mais c'est une solution... Là, pour l'instant, la seule solution, c'était de demander à... Je recommence. La question palestinienne est ancienne. Et hélas, je crains que l'Europe n'a pas vraiment la force pour dépasser ce blocage, parce que tout le monde a été, à un moment donné, d'accord pour l'idée de deux États, de peuples deux États. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais marché réellement, parce que d'un côté, il y a une différence énorme entre les deux États potentiels, c'est-à-dire l'État de Palestine et l'État d'Israël, mais il y a aussi la poursuite de l'occupation en Cisjordanie, c'est-à-dire que la solution à deux États était celle qu'on avait imaginée. Et l'Europe était très mobilisée sur ça. Non, tout simplement, je voulais dire que autour de la Méditerranée, on lavait le linge sale entre nous. C'est-à-dire que bon, il y avait des problèmes, mais à la fin, il y avait une solution. Même bien que, bon, parce que le caractère méditerranéen, les Juifs, ils étaient là, les Arabes aussi. S'il n'y avait pas eu, par exemple, l'intervention des Américains qui mettaient leur veto, je pense que on aurait trouvé facilement une solution. Moi, il me semble, c'est mon avis. Bon, en passant, c'est pas le sujet. Autre chose, est-ce que les pays du Maghreb, le Maroc, moi je suis d'origine marocaine, est-ce qu'ils sont conscients du rôle de la culture pour la jeunesse ou pas du tout ? Ou c'est uniquement de l'Europe qu'on voit ça ? Ah non, non. Ou est-ce qu'il y a des efforts ? Le Maroc en particulier, mais le Maghreb en général, sont des pays qui ont d'abord une culture très ancienne, mais qui ont aussi, on les a vus dans des festivals qui se déroulent dans ces pays. Je reviens de Dream City à Tunis, par exemple, à Casablanca aussi au Maroc. Il y a une activité artistique, y compris de production, dans tous les domaines, très très riche en Maghreb, partout. Peut-être un peu moins en Algérie, mais en Tunisie et au Maroc, c'est comme en France, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, oui. C'est vraiment d'une grande richesse le secteur artistique et culturel de ces pays. Merci de votre intervention. Je puis formuler un avis personnel. La Méditerranée existe depuis la nuit des temps. Elle fut le centre du monde à l'Antiquité. Donc, même si le terme Méditerranée n'existait pas à l'époque, les peuples d'Orient
venaient dans l'Orient, dans l'Occident, de l'Afrique du Nord. Donc, on ne va pas refaire l'histoire. Les Phéniciens sont restés... D'abord, il y a eu la civilisation grecque, avec sa démocratie. Sa démocratie s'est élargie. Les Phéniciens sont arrivés en Afrique du Nord. Ils sont restés 7 siècles. Ensuite, le Nord est venu en Afrique du Nord. Les Romains, ils sont restés 6 siècles. Ensuite, il y a eu les Ottomans de l'Orient, 3 siècles, etc., etc. Donc, la Méditerranée s'est bonifiée et c'est un peuple commun, qu'on soit à Beyrouth ou à Alger ou à Tanger, nous avons les mêmes valeurs humaines de la famille, de la patrie, du travail, de la vie. Et ça, à mon sens, je ne connais pas d'un ensemble aussi homogène que la Méditerranée dans le monde. Ça je le... Ensuite... Oui, mais j'ai quand même dit que surtout les jeunes aspirent exactement aux mêmes choses, ont des curiosités très proches, ils ont des objectifs dans la vie. Les jeunes du nord et du sud de la Méditerranée sont extrêmement proches. D'accord. Donc, je continue un peu mon raisonnement. Toutes ces valeurs dans le temps ont évolué, bien sûr. Actuellement, vous avez rapidement bifurqué vers les problèmes concrets d'aujourd'hui, des problèmes politiques qui sont d'une médiocrité à pleurer parce que nous avons des hommes politiques médiocres. Voilà. Si nous avions eu des gens comme au temps de, je ne dirais pas, de l'Andalousie rêvée, etc., ou comme l'Aperoni, hein, qui a traduit en arabe, l'hébreu, l'arabe, ce savant. Donc, nous vivons une époque terrible parce que nous sommes dans une crise sociale. C'est la fin des impérialismes. Donc, c'est la fin du travailleur qu'on paye à vil prix et c'est la fin des richesses naturelles pour que les usines tournent. Donc, nous sommes à un tournant de l'histoire humaine, chambardement, chamboulement, appelez ça comme vous voulez. Mais actuellement, il y a quand même une recondition. Les gens de la Méditerranée ont pris conscience de leur importance et de leur valeur. Et ils n'ont pas peur de le dire et de le clamer. Et on arrive au problème malheureux d'aujourd'hui, celui de la Palestine. Le problème de la Palestine, ce n'est pas un problème oriental, c'est un problème de l'Europe. On a importé un problème européen en Orient. Maintenant, il faut quand même constater qu'au bout de 75 ans, on s'est aperçu de la gabegie des responsables politiques qui ont voulu jouer entre les Israéliens et les Arabes. Hein, c'est un jeu de dupes. Et ils sont aperçus qu'ils étaient dans la mauvaise voie. Que je le sache, les Juifs et les Israéliens, ils ont vécu dans les pays arabes des millénaires. La mère de Attali, elle parlait berbère. Donc, on ne peut pas dire que les Arabes, c'était des protégés, c'était des dhimis. Donc, aujourd'hui, il faut quand même trouver une solution ou revoir l'histoire, accepter celui qui est là et accepter également l'autre qui n'est pas annihilé. Donc, il ne faut pas le réduire et l'oublier. Voilà. Voilà, donc en tout cas, je suis confiant de la Méditerranée et de la jeunesse méditerranéenne parce que je suis persuadé que nous avons le vent en poupe et que les problèmes, les difficultés actuelles seront bannies parce que nous sommes conscients de ce que nous pouvons faire et de notre force. Et Giovanna, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Et je vous remercie particulièrement d'avoir dit que c'est un sentiment d'appartenance et pas d'identité. Et j'aimerais recentrer la conversation autour de l'art et pour répondre à ce qui est de valeur. Moi, je ne suis... les valeurs que je partage sont des valeurs avec des artistes. Je ne trouve pas que je partage les mêmes valeurs avec... les gens qui habitent dans les autres villes. Et je ne suis pas du tout confiante non plus, parce qu'on est dans des temps très dangereux quand même, quand il y a un génocide actuellement qui est en train d'avoir lieu.
Mais la confiance, elle est dans les valeurs que je partage avec un camarade qui vient de Toulouse. Mais ce n'est pas parce qu'il vient de Toulouse, mais parce que nous avons la même pratique artistique. Et je voulais aussi juste dire pour le problème de la mobilité, c'est que aussi dans le monde arabe, entre nous, les problèmes de visa existent. Et ça, c'est vraiment... ça, on oublie d'en parler. Nos œuvres ne circulent pas entre nous. Et je viens de dire aussi que nous autres, entre Palestiniens, Libanais et Syriens, on se retrouve en France, on se retrouve dans les pays où on est accueillis, parce qu'aujourd'hui, il y a un territoire qui est interdit à nous. Et le théâtre fait que on se retrouve. Donc nous, on se retrouve autour des valeurs de l'art et non pas du tout celles de la famille et pas du tout celles du travail et pas du tout celles des valeurs religieuses ou raciales. Donc voilà. Et merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou remarque ou commentaire. Moi, je voulais juste t'en poser une dernière qui est quand même le fait sur le... Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, que tu travailles dans le milieu culturel, notamment en tant que... Enfin, à différentes places, mais dans le milieu culturel, dans le secteur culturel. Et tu nous disais à Casablanca à quel point tu sentais une dégradation constante des possibilités aussi bien de circulation, de mobilité des artistes, mais aussi que du maillage territorial, institutionnel, culturel, qui a présidé à un certain moment dans l'histoire des coopérations interculturelles à des projets extrêmement intéressants qui sont en train de disparaître ou d'être amoindris. Tu dates ça de quel moment? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la difficulté? On constate clairement qu'il y a eu une saison heureuse où l'Union européenne et les pays de l'Union européenne avaient entrepris un travail avec la Méditerranée et c'est fini. Et ça, c'est quelle période? Tu dirais que ce moment-là correspond à quel moment politique aussi dans l'histoire de... Milieu des années 2000, genre 2004, 2005, 2006, là ça, même avant, sur le plan géopolitique, disons, c'est un peu avant, mais sur le secteur culturel, etc., là, la prise de conscience de l'importance des réseaux d'artistes, des festivals, des rencontres, de la possibilité d'aller d'un lieu à un autre, etc., pour voir des spectacles, ou... Eh ben, ça, maintenant, c'est devenu très, très difficile. Et dans le milieu des années 2000, c'était autre chose. Parce que les gouvernements avaient pris conscience de cette nécessité de créer des liens. Et la dimension culturelle est quand même assez importante. Et probablement, ça avait aussi un intérêt pour vue touristique, des choses comme ça, tu vois. Mais là, maintenant, on est dans une phase que je n'ai jamais connue de ma vie, aussi de recul de tous les côtés. C'est pour ça que j'étais un peu mal de vous raconter que des choses négatives. Mais aujourd'hui, je te dis, moi, beaucoup de choses qui existent aujourd'hui sont nées il y a 15 ans. Et maintenant, on n'en est pas... J'ai l'impression que même en Europe, on a un peu abandonné l'intérêt pour l'art et la culture dans les institutions publiques. Je veux dire, désormais, les initiatives sont toujours des initiatives locales, plutôt de très grande qualité, mais qui ne sont pas soutenues, par exemple. Non, moi je constate très nettement, il y a eu une période faste. Et là, on est dans le creux de la vague. Merci, peut-être on va, je ne sais pas où sont les... Oui, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.